Bonjour mes petits Lucas, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une nouvelle vidéo parce que j'ai reçu un gros colis. Et si je dis pas de conneries, c'est des livres. Donc je reprends mon souffle parce que je viens juste à l'instant d'aller le chercher et deux étages. Voilà. Autant que je faisais les tout, j'ai pré-ouvert le carton. Voilà. C'est bien emballé. Oui, c'est bien mes livres. C'est bien emballé. Je les ai achetés chez. Il est mon marque-page. Je vous montre comme ça chez eux. J'ai fait une. Vous avez un code promo si vous voulez aussi. Ils ont un site. Je vous mets tout là, comme ça vous voyez. Si ça vous dit. J'ai fait une commande chez eux parce que j'avais vu un livre qui m'intéressait. Plein de bulles. J'aime bien les bulles pour faire. Voilà. Du coup, le premier livre que je. Bah, c'est celui-là que je voulais absolument, c'est celui-ci. Et il est nickel. Du coup, c'est Poussière de fée et enchant œuf magique de Karen. Il est trop beau. Parce qu'en fait, j'ai vu clochette dessus. Du coup, voilà. Et comme c'est des livres moins chers, voilà. Parce que celui-là, il vaut 15 euros, mais j'ai même pas payé 15 euros. Oh, il est beau! Je sais pas si je suis bien mieux. Je suis dans mon lit. J'étais en train de lire. Le bazar s'est encore cassé la gueule. On voit clochette là. Jupiter Pan. Non, je sais pas comment il va être dedans. Ça a l'air d'être un roman. Voilà, je vois des trucs. Je ne sais pas, je ferai approfondi. Mais en tout cas, la quatrième de couverture est trop belle. Et ça parle de quoi? Une terrible ouragan s'est abattu sur le pays imaginaire. Si l'œuf de maman colombe n'est pas réparé, au plus vite, le pays imaginaire entouront de la courageuse Rami et de Vida insoumis au privilège gagnant elle la place parmi les fées et accomplissement des missions qui sauvent le pays imaginaire. Voilà, c'est une histoire quoi. Il est bien gros quand même. Je sais pas combien il fait, mais voilà, pourquoi pas. Je vois qu'il y a des illustrations dedans. Il peut aller être chouette. On verra ce que ça donne. Voilà. Voilà pour le premier. Le deuxième, j'ai pris les recettes pour apéro et les faciles au monde de chez Hachette Cuisine. Encore plus de recettes de JF Mal. Voilà. En fait, j'avais vu qu'il y avait des recettes avec de l'avocat. Et j'ai un avocat dans mon frigo que je voudrais bien faire. Voilà, j'ai ouvert. Du coup, j'aimerais bien me le faire. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Sans vaisselle. Super bon. Super rapide. Sans vaisselle. Ou presque. Voilà. Ça se présente comme ceci. Il y a des bons petits trucs là. Au début, je voulais le prendre pour les fêtes et ben, je l'avais pas trouvé. Voilà, un keg. Ça a l'air très sympa. On verra ça. On va essayer de faire ça une fois. Voilà. J'aime bien ces livres-là en plus. Ça aide beaucoup. Ça, c'est mon papier de commande. Ah ben, je peux vous le dire. Celui-ci, il était... Attendez. Ah ben, il n'y a pas les prix. J'ai pas les prix. Parce que celui-là, il vaut 15,90€, mais je sais que j'ai pas payé ce prix-là. Il n'y a pas les prix. Voilà. Après faire du yoga dans son bain, un livre résit. J'ai pas de bain, mais je me suis dit pourquoi pas le faire... en dehors de son bain quoi.
Voilà. Et c'est vrai que... Hop. Il a l'air beau. Mais je pensais pas de l'avoir pris en fait. Voilà, vous avez plein de choses pour votre bain. Ça se présente comme ceci. C'est des fiches assez dures. C'est pas mal. J'en ai pris combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ouais, c'est bon. C'est toute ma commande qui est là. Après, je me suis pris un petit livre jeunet, je pense. La ligne d'enfant extraordinaire, mais extra, il est effacé. Voilà. Quand tout le monde extraordinaire ne être pas. Ouais, c'est un petit jeunesse. Il me tentait bien. Il y a des illustrations dedans. Voilà. C'est de chez Michel Lafon. Voilà. Et êtes-vous méga banal? Ouais, c'est un petit jeunesse. Voilà. J'ai pris un. L'astro bien-être, nouvelle recette de tarot pour découvrir et se épanouir de Clara Gousseline. Je sais pas comment ça se prononce. Celui-ci, je sais pas si je vais savoir l'ouvrir parce que le plastique, il est bien, bien, bien serré. Mais j'ai quand même des ciseaux à portée de main comme j'avais fait déballer le colis. Voilà, il se présente comme ceci, on voit bien. Derrière, il est comme ceci. On voit les cartes, je suppose. C'est ouvrir comme... Je suppose. Je sais pas l'ouvrir. Ah non, c'est... Ouais, d'accord. C'est moi qui ai mal... Il se présente comme ceci, il y a un petit truc là, c'est trop bien. Êtes-vous bien... Entre les mains, vous avez le petit catalogue de toutes les explications et vous avez le jeu de cartes. Voilà, vous avez plusieurs illustrations. Je vais pas tout vous montrer non plus. On essayera ça. Voilà, une fois en dedans. Et après, j'ai deux grosses boxes. Mais j'ai un doute sur les livres. Après, il y a plein de bulles. Hein. C'est un carton plein de bulles. C'est pas mal. C'est bien... c'est bien emballé. Du coup, voilà. Hop. Ça se présente comme ceci. C'est un pack de Noël. Voilà. Je vais quand même ouvrir. Hop. Quand même, on est là pour ça. Voilà, je vous le présente comme ceci. Vous avez deux livres de Noël. Hop. Alors, je chope. J'ai retiré. Là, c'est une paire de chaussettes. Forme de renard. Oh, j'aime bien la matière. Ça colle sur mon doigt. Voilà. Avec des petits cerfs. Voilà. Pourquoi pas. Mais moi, j'ai un doute sur les livres que j'ai déjà, en fait. C'est pas grave si je les ai. J'ai pris celui-ci. N'oublie pas Noël. Le miracle n'arrive pas qu'au cinéma. Chez Hugo Poche. Roman. Voilà. Il est bien épais, c'est un gros bébé. Mais je pensais l'avoir, mais je sais pas, j'ai un doute. Lui, je sais que je l'ai, mais j'avais trop envie d'avoir la chaussette. N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana chez Hugo Poche. Voilà, voilà, c'est tout. Et le deuxième, qui est aussi super bien emballé. Par contre, là, il a pris un coup. Il a pris un coup ici. Voilà, je viens de le remettre. Tout est bien emballé. Franchement,
ici aussi, vous avez deux livres, par exemple, comme ceci. Hop. Alors, le premier, c'est Meilleur vœu et va au Jap, chez Hugo Poche, chez Émilie Parizeau. Voilà, celui-là, je pense pas l'avoir, c'est une comédie romantique. Ah oui, celui-ci, c'est une quoi? Comédie romantique. Comédie romantique, c'est tout des comédies romantiques. Hop. Bah, c'est une chaussette aussi. Je pensais que c'était autre chose. Je croyais que c'était une bouillotte, moi, au début. Voilà. Et du coup, ça là. Des petits oursons avec plein de petits cerfs. Trop belle. Et le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, c'est Les ours mal léchés. Les ours mal léchés approvision de Noël. Oh, je sais plus parler aujourd'hui. Je suis fatiguée. Je commence à avoir mal à la gorge aussi. Bourreau, destrineur, c'est un petit cerf. Voilà, c'est aussi une comédie. Voilà. On sent que le... Je sais pas si vous entendez. Ah, ça fait plus le même. Quand ils sont nouveaux, qu'on n'a pas pris, ça va être... assez mal. Voilà pour tout ça. Les quatre livres de la box. Ils sont tout froids par contre. Les petites chaussettes que je vais laver, bien sûr. Le petit tarot. Le petit jeunesse et faire du yoga. Ça, j'ai un doute quand même. Parce que il y a peut-être moyen de le faire chez soi. J'avais pas vu que c'était dans son bain. Que ça. Porter savon. Ouais, il y a moyen de le faire. Voilà. Du miam miam. Et le livre que je voulais absolument. Il est trop beau. Voilà. Mais pour ça, j'ai une cinquantaine d'euros. 51, 52. Voilà. Du coup, voilà, je vais ranger tout ça. C'était un gros carton pour tout ça. Et je suis très contente. Et voilà la Bibliopolis. N'hésitez pas. Si vous voulez, je vous remets le petit code promo. Du coup, c'est MP10 200B. Ouais, et si vous voulez, vous avez le truc là, vous avez qu'à appuyer dessus. Vous faites pause et voilà, vous avez toutes les informations. C'est mon marque-page de mon livre pour le moment. Voilà. Voilà pour tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai quand même fait un gros petit craquage. Est-ce que je vais savoir tout prendre? Ça, c'est autre chose. Oh, c'est lourd. Oh, c'est lourd. Voilà pour tout ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si un de ces livres, voilà, vous intéresse. Dites-moi en commentaire si vous avez été sur le site. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.